rue de derrière et des fuites. La prison, les fers, le baiser, la mer, la soif de pouvoir, nos yeux sont plus. On n'a plus peur des balles, la foi du regard, on n'a pas qu'à l'énergie. Je veux plus prendre des coups d'or qui donnent un gros marché, droit debout. Pierre sur la poitrine, Ça suffit, man, le peuple est en France. Il hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Isman de kill. I say, how many people this man go kill? Le peuple en a marre, il y a des voix qui se lèvent et la jeunesse renforce l'erreur. La culture des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat à sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le corps des plaintes on a dépassé, les peurs des chéris ont effacé. La foule est devenue le peuple, marche ensemble et avancerait. Le chassement est proclamé, le peuple de la liberté. Un peuple pris de liberté, ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous désirez de me tuer, mais tu peux tuer la liberté. J'ai armé le peuple à son armée finie, les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons à lions pur entraînés. J'ai monté des légions, une armée. Une paix engagée, prêt à tout faire, puisque les soldats décidés. T'as voulu la guerre, ben voilà la guerre. T'as voulu le flamme de l'enfer, Max réveille la paix. La boîte de Pandore est ouverte, c'est que sur les belles. Du peuple provoque des bases, des mondes, sur l'envers. Délivrez-nous, tout le monde, rassemblement de la main. Pas d'absence ni d'excuses pour nos grands rassemblements. Délivrez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Avec moi. How many people this man go kill? I say how many people this man go kill? Oh, you go kill with Aya. I say, oh, you go kill with Aya. Montrez au monde vos mains.
bien, les amis. Montrez au monde votre force, les amis. Montrez au monde que vous êtes là et que ça ne se fera plus jamais sans vous. Que ça ne se fera plus jamais sans vous. Ça ne se fera plus jamais sans nous. Plus jamais sans nous. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. La famille. Le sentiment de liberté n'est pas quelque chose qu'on achète. Regardez-les. Il n'y a même plus une place sur le mur pour même coller une demande d'emploi. On ne sait même plus où passer. Vous ne pouvez pas faire un pas à Yaoundé sans que voir qu'on a agressé quelqu'un avec ses t-shirts. Nous sommes l'avenir, les amis. C'est nous l'avenir. Nos enfants vont nous poser des questions. La plupart des gens ici ont des enfants. Mais comme ils habitent encore chez leurs parents, eux aussi, ils sont des enfants. C'est ça le principal problème. Parce que à 30 ans, ta mère t'amène encore ta carte d'identité et ta carte d'électeur à la maison qu'elle est partie prendre au chef. Et toi, tu attends ça là. Tu ne peux pas lui dire, hey, maman, alors si c'est moi qui gère. Parce que comme je t'ai dit, ta mère a 70 ans. La seule chose qu'elle veut, c'est manger quelque chose avant de dormir. Toi, tu as 20 ans. Ce que tu veux, c'est un travail. Donc vous n'avez même pas le même objectif. Si nos parents nous aimaient, parce que je doute beaucoup aujourd'hui, quand je vois l'électorat du candidat voleur, quand je vois les gens qui votent pour le candidat bandit, regardez-les bien. Regardez-les bien. Ils ont la même chose en commun. On dirait que nos parents ont décidé de nous tuer. Ta maman, ça ne la dérange pas de te voir sur le Ben Sikine, hein? Non. Elle, ça ne la dérange pas. Elle veut même te demander si tu ne veux pas partir en Ben comme les autres. Parfois, ma mère me regarde, elle dit, tu fais encore quoi ici? Tu ne vois pas le fils de Tchungu qui est déjà parti en France depuis. C'est pour ça qu'on nage. Juste pour faire plaisir à nos parents. Mais on prend plus de risques en montant dans un bateau pourri pour arriver en Europe qu'en luttant ici au Cameroun pour changer les choses. Arrêtez de fuir! Arrêtez de fuir! Que la jeunesse camerounaise arrête de fuir. Arrêtez de nager pour aller en Europe. Arrêtez de cotiser, vendre vos maisons, prendre des dettes et tout ça pour aller en Europe. Parce qu'on vit dans un pays où le président voleur, ça ne le dérange pas. Les caméras de Camto. Déjà, ils ne nous voient même pas. On se bat pour que vous ayez les meilleurs. C'est pour ça qu'on a fait une chanson respectant le travail. Il y a quelques années qui disait ce pays tue les jeunes. Quand on a des problèmes, c'est pas de votre faute. Et rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui ont décidé que ce pays, il tue peut-être les jeunes, mais c'est aussi aux jeunes de sauver le pays. La vérité, c'est ça. Même si ce pays tue les jeunes, ce sont les jeunes qui doivent sauver le pays. Mais les plus vulnérables sont aussi les jeunes. J'espère qu'il y a des jeunes qui s'apprêtaient à voter peut-être pour le RDPC ici. Je voulais leur dire, arrêtez. Est-ce qu'il y a un jeune qui a même ce projet-là ici?
Est-ce qu'il y a un jeune qui amène ce projet-là ici? Parce que je vous jure, si jamais moi je l'attrape moi-même, j'espère qu'il est fort. Parce que personnellement, je ne suis pas venu à Bafoussam pour dire, hey, je m'en vais supplier ces gamins, il faut qu'ils voient. Non, Bafoussam est une armée. Et on ne supplie pas des soldats. Bafoussam est une armée et on ne supplie pas les soldats. On ne supplie pas les soldats. On met les soldats en mission. On ne supplie pas les soldats. On met les soldats en mission. Et on a une mission. Allez voter, surveiller notre vote, faire un carton rouge au président voleur et rentrer à la maison. Professeur Maurice Kamto, à l'horizon. C'est ça notre mission. Ça va déménager. C'est ça. Nous sommes à Bafoussam. Notre mission. Valsero chauffe le public. Valsero chauffe le c'est public. C'est ça notre mission. Maurice Kamto arrive. C'est extrêmement important. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas croire que je ne vous ai pas gardé la surprise maximum, hein, mais vous ne bougez pas. Hey, est-ce que tu peux mettre la chanson de la révolution? Parce que l'homme qui porte tous nos espoirs est en train d'arriver, mon frère. Ensemble votons, révélez ensemble votons. Faites du bruit pour lui. Appelez-le. 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 Motivez-le. Motivez-le. Donnez-lui la force. Donnez-lui la force, putain. Appelez-le. 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 Kamto. Kamto. Appelez-le. 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 Alors, envoie la musique, mon frère. Je vends 8 ans pour travailler, un bosse et une copine à nourrir. Je suis à Yaoundé, tu parles de cigare, plus de mourir. Ici on survit grâce au grattage, ma voix le braquage. Je tiens l'option de ceux qui n'ont pas guidé ses engages. Parmi les bras d'océan, j'ai mes pieds dans la poussière, la bouche sèche. Le ventre vide et bien fait dans ma volante. Et c'est tout d'être jeune, vieux de Camaroès. Il faut être comme des riches payés, flics ou politiciens. Pendant que les mêmes bouffent, tout sont les mêmes qui craquent des fins. Le fils qui paie les présidents, à peine pas face au même refrain. Moi je trouve ça sinistre. Tous ces diplômés qui chantent mes milliards de ministres. Tout ça reste de ce monde qui gère pour mes mots. J'ai un plein de démocratie, moi tout ça signifie j'aborde le système juridique. Mais on va se de la le pas de qui vient du tout. 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 Pas il va falloir connaître ce pays tu. Les jeunes, les jeunes ne lâchent pas prise. Ce pays tu, les jeunes, les jeunes ne lâchent pas prise. Les gardiens de pouvoir, les jeunes ne lâchent pas prise. Le plaid est la vie. La jeunesse crève après tu fais dans l'île de Dieu. Derrière la forteresse, sous la lourde.
j'suis léger. Les vieux ne lâchent pas plus. Stop, Alain, stop, stop, stop. Nous sommes les enfants de la révolution. Nous sommes les enfants de la révolution, les amis. Nous ne sommes pas un mensonge. Nous sommes une réalité. Nous sommes les enfants de la révolution parce que nous sommes forts. Parce que c'est avec notre force qu'on va porter notre candidat jusqu'au sommet de l'État. Avec rien d'autre. Ce ne sera pas avec l'argent. Ce sera avec rien. Mais ce sera avec notre force. J'ai entendu des gens dire, Massero, il va organiser une guerre civile ou quoi. Ils rigolent. Ils ont déjà organisé la guerre. Ils disent que c'est nous qui voulons la guerre. Ils ont déjà organisé la guerre. On vient pour stopper la guerre, les amis. On vient pour que nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rentrent chez eux. Pour que les jeunes garçons de Bafoussam arrêtent de gâcher leur vie sur la moto. Vous croyez qu'on est sur la moto parce qu'on aime ça? Vous croyez qu'on conduit le Benfica parce qu'on aime ça? Vous croyez qu'on fait le callbox parce qu'on aime ça? Vous croyez que nos mamans vendaient les choses au marché parce qu'elles aiment ça? C'est parce que notre gouvernement nous l'a imposé. C'est parce que le président Bangui nous l'a imposé. Il est important que ça change. Il y a beaucoup de bruit et il y a beaucoup de monde et j'arrive pas à être concentré parce que c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous pouvez l'appeler parce qu'il arrive? Je vais remplacer par le capteur de la petite.
Ils veulent que vous leur fassiez voir quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir la main bien en l'air comme ça? Donnez-leur quelque chose, des amis. Calme-toi. 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 Kamto, président de la République du Cameroun, jusqu'à ce que les gens le laissent sortir au final. Faites du bruit pour ces illustres messieurs.
Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit, s'il vous plaît. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit, s'il vous plaît. Écoutez, il y a un jeune, c'est pas un jeune, c'est un enfant. Les sifflets, s'il vous plaît. On a notre fils qui est là. Vous n'êtes... Écoutez-le. Bonsoir. Professeur, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous
et c'est la jeunesse camerounaise. On n'attendra pas des siècles, il avait un mot à nous dire et il est important qu'on l'écoute. Est-ce que vous pouvez l'écouter, s'il vous plaît? Concentrez-vous. Restez concentrés. Je voudrais dire d'abord un grand merci à M. Campo pour tout ce qu'il fait présentement pour nous, pour monter au pouvoir, parce que je sais, j'ai confiance en lui. Je sais que quand il va monter, il va faire tout ce qu'il a en son possible pour nous aider. Alors, pas du bruit pour M. Campo, pas du bruit, pas du bruit. Faites du bruit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la voir? MRC. 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 Jusqu'à. Le message. Nous, le votant. Faites-lui un au revoir, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, je suis comme tous les soldats. Une fois que j'ai fini de faire mon job, je vous laisse avec l'autorité. Est-ce que vous voulez le président? Est-ce que vous êtes prêts à écouter le président? Moi, je n'ai plus rien à dire en ce moment. Il y a trop de monde ici. On libère le podium, s'il vous plaît. Libérez le podium, s'il vous plaît. On libère le podium. Libérons le podium, s'il vous plaît. Attendez qu'on libère le podium. Libérons maximum le podium. Libérons maximum. Libérons le podium, s'il vous plaît. Libérons le podium. Si tu restes à moi, libérons le podium. Attends, est-ce que j'ai eu son discours? Je vous en prie. Je vous en prie, chers camarades, libérons le podium au maximum. Chers camarades, libérons le podium au maximum. Merci, merci chers camarades. Merci chers camarades. Merci chers camarades. Merci, merci de libérer le podium au maximum. Merci de libérer le podium. Merci de libérer le podium au maximum. Je vous en prie, libérez le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers camarades. En attendant qu'il libère. Hey Alain, envoie-moi la chanson de la révolution en attendant qu'on libère le podium, s'il vous plaît. Plus vite que ça. How many people this man will kill? Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Thank you.
enfants n'ont pas grandi. Vous avez des souffrances et des supplices. La prison, les fers, le désert, la mer. La queue, je t'attends, mais on ne souffre plus. On n'a plus peur des balles. Regarde notre regard. Je ne suis pas tout sorti de la route. Marchez droit debout. Tire sur la poitrine. Tire, tire. Mon âme est inversée. Je protège, ma lutte, ma victoire spécifique. J'ai vaincu ma crise. La peur ne m'habite plus. La peur ne m'habite plus. La révolution est en marche. Marche, le peuple en main, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée. Le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force et de remettre les choses à leur place. Pour les places, dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des peines on l'a dépassé, les peines des chéris sont effacées. La foule est dévouée, le peuple marche ensemble et avance serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple de liberté ne marche pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous décidez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Des mecs engagés, prêts à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la terre, t'as voulu la terre. T'as voulu les flammes de l'enfer, tiens, je veux la paix. La porte est pendant les couverts, les pieds sur les pleins des colères. La couleur du peuple provoque des vagues, des mots, des moutons se renversent. Levez-vous, tout le monde rassemblement dans la place. Avec moi. Plus fort, I say how many people
This man go keep. I say, oh, we go keep Italia. Merci. C'est dur de travailler avec les autres. Merci. Réservation pour 20 €. Un peu plus de bruit pour 20 €. Mais comment va vous ça mettre timide? Du bruit pour 20 €. Canto, président, canto, président, canto, président, canto, président. Merci, 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 merci. On va aller très vite, on ne va pas perdre le temps. Nous allons écouter quelques allocutions avant de donner la parole au candidat Maurice Canto, qui est venu s'adresser à Bafoussam. Nous allons commencer par un mot du conseiller à la présidence de la République du Cameroun, Monsieur Penda Ekoka, qui a apporté son soutien à Maurice Canto. Acclamez-le! Acclamez-le! Monsieur Penda Ekoka! Acclamez-le! Plus fort! Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller, vous prendrez la parole juste après le mot de bienvenue du régional MRC, Monsieur Christophe Campbell. MRC! 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 Discours! Je n'ai pas grand chose à dire parce que quand le pape est là, les évêques n'ont pas grand chose à dire. Monsieur le Président, soyez la bienvenue. Rassurez-vous de notre soutien indéfectible dans la région de l'Ouest. Vous devez écraser cette tricheur avec un pourcentage d'au moins 90%, monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est la dernière fois que nous vous recevons ici en tant que simple citoyen. La prochaine fois, ce sera la réception du Président de la République du Cameroun. Merci. Merci, Monsieur le Régional. Nous passons la parole au conseiller Christian Penda Ekoka. Monsieur Damien, le 7 octobre, un vote de Canto, c'est la fin de vos souffrances. Oui. C'est fini. La route Bafoussam Yaoundé, Bafoussam Douala, dans l'état où nous l'avons trouvé, ce sera fini. Ce sera fini la route Bafoussam Bamenda dans cet état. Le 7 octobre, votre vote, vous avez rendez-vous avec votre destin le 7 octobre. Arrêtez le massacre. Arrêtez la fin des humiliations. Un vote pour Canto, c'est la fin de la corruption. C'est la fin de l'impunité. C'est la fin de la misère, c'est la fin du chômage, c'est la fin de tout cela. Maintenant, écoutez-moi. On vous a dit un jour, il y a de nombreuses années, qu'un vendeur d'œufs ne cherche pas la bagarre. Et si on vient s'attaquer à son panier d'œufs, qu'est-ce qu'il fait? Il se
Dépendez de votre dignité. Défendez-la. Défendez votre dignité. On nous dit quoi? Qu'il faut la coalition. Ceux qui ont gagné avant la coalition, je vais vous dire une chose. L'élection présidentielle, ce n'est pas un vote de parti. Et je voudrais surtout le dire aux militants du RDPC et des autres partis. Les mamans, les papas, les parents, les jeunes, bien entendu, c'est pour vous qu'on le fait. C'est que le vote du 7 octobre, ce n'est pas le vote d'un parti politique. C'est un homme face à son peuple. Quelle est la question que vous posez? Vous ne votez pas une coalition. Vous posez la question dans les yeux. Est-ce qu'elle est l'homme qui peut diriger le Cameroun pour les prochaines années? Qu'on ne vous trompe pas. On n'a pas besoin de coalition pour gagner l'élection présidentielle. Parce que la vraie question, c'est laquelle? Vous-même, vous examinez les 9 candidats là. Vous posez la question. Quel est celui qui a les aptitudes nécessaires pour apporter des réponses à mes problèmes? Vous ne demandez pas devant l'urne quel est le parti politique qui peut apporter les réponses à vos problèmes. Non! Vous demandez quel est l'homme de tout cela qui peut apporter les réponses à mes problèmes. Quel est celui qui peut me construire des routes? Quel est celui qui peut m'apporter l'eau potable? Quel est celui qui peut m'apporter l'électricité? Quel est celui qui peut me garantir les soins de santé? Encore! Quel est celui qui peut m'assurer le travail après? Encore! Quel est celui qui peut me permettre de créer une entreprise? Encore! Quel est celui qui peut me permettre d'avoir une ferme? Encore! Quel est celui qui peut me garantir le financement de mon projet? Encore! Quel est celui qui peut me financer mon micro-projet? Encore! Quel est celui qui peut me garantir la formation au métier? Encore! Ce n'est pas un parti politique, c'est un homme. Et cet homme-là, vous l'avez déjà désigné. Le voici. On ne vous trompe pas. On n'a pas besoin d'une coalition pour ça. Nous sommes sûrs de gagner cette élection parce que nous avons « We have the best man in the best place. This is the great man. This man is the great man. A vote for Campo on October 7th is the end of the suffering, is the end of the corruption, is the answer to your all problems. This is Campo. Vote for him. You will change your destiny forever. The 7th of October, the vote for Maurice Kamto. Cameroon will never, ever, ever be like before. That's the end of the suffering. That's the end of humiliation. That's the end of misery. That's the end of poverty. Young men, this is the answer to the problem. For 36 years, you did not have the answer. This man, people over here, listen to me. The vote of this October the 7th is not a vote about a political party. It's about a man that will answer your problem. And then a man is about a man. And this man is Maurice Kamto. Maurice Kamto is the answer for your problem. Maurice Kamto is access to electricity, is access to potable water, is access to universal health care, is access to transportation, is access to your training, and you answer to your job. Maurice Kamto is the end of suffering and the end of humiliation. Maurice Kamto is the end of corruption, the end of impunity, the
notre pays si bien. Même tout est même courant. Votre Maurice Saint Coran de Seven of Octobre. My dear friends, look, we don't need any coalition to win this election. We don't need a coalition. We have the answer for it. And Maurice Saint Coran is the joker for us. Vote for him on the 7th of October. Then, you know, 50 years hence, you will be proud of our country. You will be proud of our country by voting for Maurice Kamto. Say yes, we can. Say yes, we can. 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 God bless you. God bless Cameroon. Merci au conseiller Christian Pendaïkoka. Nous allons passer la parole au directeur régional de l'UPC dans l'Ouest. Pendant que nous saluons très chaleureusement le professeur Sou Charles, qui ici est le coordonnateur de la campagne pour la région de l'Ouest. Monsieur, s'il vous plaît, vos ovations pour le coordonnateur dans la région de l'Ouest, qui dans l'ombre veille au grand. Merci. Nous allons écouter le mot du directeur régional de l'UPC dans l'Ouest en le priant d'être aussi bref que possible. Parce que vous êtes venu écouter Maurice. Maurice. Ok, donc il sera très bref pour que vous puissiez l'écouter. Monsieur le régional n'est pas là. Nous allons donc passer la parole à quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un... Le régional de l'UPC dans l'Ouest. Sous vos ovations. Camerounais, la patrie nous appelle. Ensemble, soyons son bouclier pour notre dignité. Allons, allons toujours devant, toujours en avant, marchons. Allons toujours en avant, le peuple avance. Toujours en avant. Merci, 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 merci. Merci, je vous en prie. Nous avons commencé ce meeting sans faire une prière. Je vais ici, là, en ma qualité de coordonnateur régional de l'UPC, invoquer l'ensemble des combattants qui sont qui ont été tués pour que notre pays soit, afin qu'ils nous accompagnent dans ce combat qui va nous permettre de nous libérer contre le joug néocolonial qui anéantit l'ensemble des forces pour que notre pays enfin voie le jour. Moi, Kaye, fils de Mewé, coordonnateur régional de l'Union des populations du Cameroun, ici à l'Ouest. J'invoque ici l'esprit de tous les UFSIS, l'esprit de tous les combattants qui sont décédés, l'esprit de tout le peuple camerounais qui a eu des problèmes afin que tous ces gens nous accompagnent dans le combat qui nous permettra au soir du 7 de faire de leur fils. J'ai nommé le combattant Kamto Maurice, président de la République du Cameroun. J'invoque l'esprit du camarade Ernest Ouangé. J'invoque l'esprit du combattant Nego. J'invoque l'esprit de Mani Bentombi. J'invoque l'esprit de Dika Fondo, celui-là qui signale le traité Germano-Douala, qui est en fait ce traité qui a permis au Cameroun d'être créé. Aujourd'hui, chers Camerounais, nous allons vous expliquer pourquoi ce que nous appelons dans notre pays, nous allons vous expliquer ce que nous appelons aujourd'hui dans notre pays, coalition ne peut pas marcher. Le candidat Kamto est le candidat du peuple.
et en tant que candidat du peuple, tous les autres candidats s'unissent contre lui. Et pour cette raison, le peuple camerounais doit s'unir autour de lui comme un seul homme, comme une seule femme, pour le porter à la tête du Cameroun au soir du 7 octobre 2018. Battons-nous, levons-nous, comme des fourmis à la tête de la nourriture, comme des fourmis à la tête de l'ordinité. Levons-nous pour permettre au professeur Maurice Kamto de devenir président, de prendre les commandes du Cameroun pour que nous nous libérons du jour néocolonial français. Je vous remercie. Est-ce que Bafoussam est là? On n'entend pas Bafoussam. Bafoussam est là? Est-ce que Bafoussam est là? Accueillez le président Zotan de la dynamique. Sous vos ovations. Je vous remercie. C'est l'ancien ami camarade de Paul Biya qui vous parle. De ma mémoire de militant, je n'ai jamais vu les gens décider comme vous êtes décidés. Est-ce qu'on peut préparer la nourriture et laisser aux voleurs? Le vrai combat commencera après le 7. Si quelqu'un vole la voix du peuple, qu'est-ce qu'on fait? Si l'arbitre est tricheur et que les supporters ne crient pas, est-ce qu'il va gagner? Nous sommes là. Je vais vous dire pourquoi c'est le destin. Kamto, c'est le destin. Regardez l'hymne national. Celui qui avait composé ne l'avait pas si bien dit. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'espace était au nord. L'espace est arrivé au sud et à l'est en même temps parce que maman Chantal et papa Biya sont du sud et de... C'est le tour de cul. Mes chers amis, ne crachez pas dans la soupe. Monsieur Biya m'a appelé hier. Il m'a dit, Zonga, tu m'as toujours sauvé. On m'a obligé d'être candidat. J'ai dit non, je suis fatigué, les gars là veulent me tuer. Faites tout pour que je perde les élections le 7 et que j'aille me reposer. Je lui ai dit, mon président, en 92, tu as compté sur moi pour rester. En 2018, compte sur moi pour partir. Et après, comme toi aussi, c'est un sorcier. Et il y en a qui le supportent en cachette. Et il y en a qui le supportent en cachette. Écoutez-moi bien. On vous a dit que M. Niak était mort. Non. Il est bien vivant. Il est allé se cacher parce qu'il ne veut pas combattre son frère. Il a dit, je te laisse la voie libre. Laissez la voie libre. On ne peut pas partir d'ici. Et le président Maurice Kamto m'a demandé de le faire pour lui. Sans dire un grand merci à un fils de ce département qui a trop aidé Biya. Celui qui construit les écoles, celui qui fait tout avec son argent. Mais le président lui dit,
dit, désormais, tu n'auras pas besoin de ça. Fais que je gagne et l'État va s'en charger de tout. Donc maintenant, mes chers amis, soyons sérieux. Il n'y a plus rien qui va nous arrêter sur le chemin. Le président Kamto lui-même va dérouler son micro, mais je ne partirai pas sans vous dire à l'ouest, Mokwa yemu. Vous avez bien fait, parce que les autres là-bas au nord, au littoral, croyaient qu'ils vont vous battre par le nombre. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Rendez-vous le 7. Dites à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur carte de vote qu'ils peuvent toujours être utiles. Allez rester là où on vote. Ne laissez pas qu'on vole votre vote. Je vous remercie. Monsieur le Président, je suis déjà le lundi. Je suis le lundi et je dis, Monsieur le Président, félicitations. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un de spécial, de très spécial. C'est la surprise de Pafoussam. Alors pour l'accueillir, je vous demande de faire quelque chose de spécial pour cette personne spéciale. Sortez vos téléphones un peu et faites de la lumière avec vos téléphones. Je veux voir vos téléphones avec un peu de lumière. Je vous... Merci, super. Oh là là, magnifique. Nous allons donner la parole à Madame Kamto. De l'ouest du Cameroun, de Bafoussam et de tous les autres, départements et arrondissements qui font la région de l'ouest. Je voudrais
dire un merci tout solennel et tout particulier à la région de l'Ouest et aux parents, à nos parents. Certains sont encore là, d'autres sont partis, mais on dit que les morts ne sont pas morts. Je voudrais leur dire un grand merci pour la manière, les valeurs qu'ils ont inculquées à leurs fils. Je parle de Maurice Kamto. Je voudrais dire un grand merci parce que les parents l'Ouest lui ont inculqué les valeurs fondamentales et cardinales que sont l'honnêteté, la droiture, la rigueur, l'ardeur au travail, le souci de l'autre, le souci de bien faire et l'amour des autres, le souhait d'aider tous les autres. Voilà, la région de l'Ouest, nos parents lui ont inculqué tout cela et je leur dis merci du fond du cœur. Merci également à lui parce qu'il a su préserver toutes ces valeurs fondamentales que nos parents lui ont enseignées, que l'Ouest lui a enseignées et qui font la force de la région de l'Ouest, la force également de toutes les personnes. Merci, merci. Je vous demande quelques minutes d'attention, s'il vous plaît, pour terminer mon propos. Je disais que je dis merci à nos parents, à la région de l'Ouest, pour les valeurs fondamentales que vous avez su inculquer à votre fils et qui a su les préserver toutes ces années et qui font donc de lui un homme de confiance, une personne qui tient parole et une personne fiable, la personne qu'il vous faut. Donc si vous lui faites confiance, vous ne serez pas déçu. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, vous ne serez pas déçu. Parce qu'il tient toujours parole. Il tient ses promesses. Merci beaucoup. Merci. C'est pour lui, pour Madame Kamto. Mesdames et messieurs, Kamto arrive, Kamto arrive, Kamto arrive, Kamto arrive, Mesdames et messieurs, je vais vous présenter maintenant, en vous l'introduisant, celui qui, quand il approche, arrive avec une odeur de changement. Celui qui, lorsqu'il prend la parole, redonne de l'espoir. Voici Maurice Kamto. Petit bruit. J'ai bruit pour Maurice Kamto. Pas plus simple, plus fort. Allumez vos portables, tous les portables allumés. Et petit bruit, accueillez Maurice Kamto. Comme c'est reste de toi. Pas fou seul. Je voudrais que nous commencions par le chant de ralliement, le chant qui nous soude comme un peuple uni, comme un seul peuple, l'hymne national de notre pays. Au Cameroun, des soldats.
jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soit tout amour. Je sais dit que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, que tu es notre seul et même bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. On va reprendre l'hymne national en anglais. Cameroon bow for the open heart. Le peuple est formidable. Le peuple est formidable. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. C'est notre chère patrie. Et nous ne permettrons à personne de détruire notre chère patrie. Nous ne permettrons à personne de diviser et d'opposer les Camerounais entre eux. Nous ne permettrons à personne de perpétuer la guerre sur notre sol entre Camerounais. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons régler la crise anglophone rapidement. Nous allons régler cette crise. Ma première sortie après que vous m'aurez porté à la tête de ce pays, ma première sortie sera dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. I will go there because I love them. They are our brothers and sisters. Because I miss them. And I want them to feel themselves a full part of this country. And believe me, I will not relent until I have resolved that problem. I'll wipe up their tears. I'll go there to ask them to come out from the bush. I'll send a delegation to Nigeria to bring back those who are in the refugees camp there. I'll go there and I will settle the matter once for all. I will rebuild the villages which have been burned down to ashes. I will rebuild them and I will make sure that those who have lost their assets, their business, they have some money to start a new life. I will settle the matter. Je vais vous demander une chose. Dès le lendemain
de l'investiture. Comme vous avez dit, que par votre force, par votre souffle, par la puissance qu'il y a en vous, vous voulez me porter à la tête de notre pays, la première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous déciderons que pendant un mois, nous allons faire la propreté dans tout le Cameroun. Nous allons nettoyer le pays. Je serai le premier. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Écoutez-moi, c'est très important. Je serai avec vous pour que nous nettoyons les caniveaux, pour qu'on coupe l'herbe, pour que l'on nettoie, pour que l'on mette la peinture. Ceux qui n'ont pas la peinture, qu'ils achètent la chaux, qu'ils cherchent la chaux, qu'on mette partout, que les maisons soient propres, blanches, pour que nous démarrions une nouvelle vie. On va le faire. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. La renaissance du Cameroun, la renaissance de notre pays, pour que les étrangers qui viennent, les étrangers qui viendront dans notre pays, trouveront un pays propre, accueillant, un pays dont nous sommes fiers. Et je compte sur vous, c'est avec vous que je vais réussir. Et ils me demandent souvent, d'où tires-tu, où est-ce que tu tires ta force? Je dis, je la tire du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui me donne la force. C'est vous qui me donnez la puissance. On dit que le pouvoir vient de Dieu, mais Dieu passe par vous pour donner le pouvoir. Il passe par vous pour donner le pouvoir. Et je suis sûr que le 7 octobre prochain, oui, il vous a dit à qui vous devez donner le pouvoir. Est-ce qu'il vous l'a dit? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, dis-le encore trois fois pour qu'ils comprennent partout dans ce pays. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, allez le dire partout dans le pays. Le moment est venu. C'est le moment maintenant. Nous allons changer. Nous allons tourner la page pour donner une chance. Pour donner une chance à la jeunesse camerounaise. J'ai dit, et je le répète, qu'on ne vienne pas vous raconter des histoires. J'ai travaillé dans ce gouvernement, mais j'ai démissionné moi-même. Et on vient vous dire ici, les gens viennent vous raconter, il a pris 14 milliards, il a pris je ne sais pas moi quoi. Vous pensez que si j'avais oublié même une épingle dans ma poche, je serais là en train de vous parler? J'ai dirigé la faculté de droit du Cameroun, la plus grande faculté de droit pendant 6 ans. Ils ont fouillé ma gestion, ils n'ont rien trouvé. J'ai travaillé au gouvernement, ils ont fouillé ma gestion, ils n'ont rien trouvé. Je suis professeur à l'IRIC, j'ai été doyen, je n'ai mis aucun de mes enfants, ni à l'ENAM, ni à l'IRIC, ni à l'école normale, ni à Polytechnique. Vous avez devant vous un Camerounais intègre qui aime son pays. Chaque fois qu'on a fait appel à moi, j'étais là et j'ai donné tout ce que j'avais pour mon pays. Et je continuerai à me battre à côté de vous jusqu'à la victoire. On va y aller. Le train de la Renaissance va aller jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Je peux vous dire, mes chers amis, ce qui me met debout, c'est l'avenir de la jeunesse camerounaise. Et j'ai dit, si je suis président de la République, vous allez voir que nous allons donner une autre espérance à notre jeunesse.
Est-ce que l'avenir de la jeunesse camerounaise, ce sont les béziles? Est-ce que l'avenir de la jeunesse camerounaise, ce sont les colbox? Est-ce que l'avenir de la jeunesse camerounaise, c'est le port brisé? J'ai dit, président de la République, je vais m'assurer que chaque jeune Camerounais reçoive une formation. Vous recevrez une formation. Chaque jeune recevra une formation. Même pour trois mois, vous recevrez une formation. Et quand vous aurez reçu une formation, je ne vous laisserai pas tomber. Dans les centres de métiers, nous allons vous former à tous les métiers. Si tu veux être mécanicien, électricien, carreleur, maçon, boulanger, coiffeuse, couturière, charpentier, on va vous former. On va vous former à tous ces métiers. Et quand on vous aura formé, si vous trouvez un travail, c'est bien, mais si vous ne trouvez pas un travail, moi, je ne viens pas distribuer l'argent. Je viens pour que vous ayez un métier et que vous gagnez votre vie, que vous puissiez fonder votre avenir. Alors, quand vous aurez fini votre formation, si vous voulez être, par exemple, faire la menuiserie métallique, je vais vous demander qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir ton atelier de menuiserie métallique. Et tu vas me dire, voici, vous allez me faire la liste de ce qu'il faut pour ouvrir votre menuiserie métallique. Je veux faire acheter ça, je vous donne, pour que vous démarriez votre menuiserie métallique. C'est comme cela que nous allons combattre le chômage des jeunes. Ça ne sert à rien de venir de temps en temps prendre des jeunes pour leur donner 1000 francs ou 2000 francs sur des bénéfices. Aucun jeune ne peut faire le basic pendant 15 ans parce que le dos va être fini. On vous donne 2000 francs et vous jonglez et vous tombez, vous cassez la jambe et vous devenez une charge pour la famille. C'est pas vrai? Et donc, quand on laisse les jeunes à eux-mêmes, quand un jeune conduit la moto-taxi, et tombe, quand un jeune conducteur de moto-taxi tombe dans un accident et on lui coupe la jambe, il devient une charge pour ses parents, non? Est-ce que c'est bon alors? Moi, ouais. Mais je vous ai dit, après le 7 octobre, ça c'est fini. Je me suis mis debout parce que je sais ce qui se passe dans le pays. On va clôturer à Douala. J'ai visité le pays partout. J'ai visité pratiquement tous les arrondissements du Cameroun. Et partout, j'ai vu qu'il n'y a pas de route. Partout, j'ai vu qu'il n'y a pas de l'eau potable. Partout, j'ai vu qu'il n'y a pas d'accès à l'électricité. Je vous demande, comment ça va? Comment ça va? Voilà, je sais que ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas parce que je suis dans une région où il y a le plus grand nombre de contrôles de police. Je suis dans une région où l'import est devenu un instrument pour traquer les affaires. Et je peux vous dire ici, allez le dire aux parents, à tout le monde, président de la République, je signerai le décret d'indemnisation des éleveurs qui ont été victimes de la grippe aviaire. On va les indemniser. On va les indemniser. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Pas seulement à l'ouest, mais partout, de soutenir les éleveurs, les agriculteurs, ceux qui travaillent dur pour que nous mangions à notre faim.
ceux qui travaillent dur pour que l'on paye les fonctionnaires, ceux qui travaillent dur pour que le Cameroun reste debout, ceux-là, ils étaient dans l'ombre, moi je vais les mettre à la lumière. Sachez-le, je me suis mis debout, non pas contre des individus. Je ne fais pas la politique contre les individus. Je ne fais pas une politique de haine. Je ne fais pas une politique de revanche. C'est pourquoi j'ai toujours tendu la main à tout le monde. C'est notre pays, qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble pour moderniser le Cameroun. Qu'ils viennent. Je tends la main même à ceux du RDPC qui veulent que ça change, qu'on aille dans la bonne direction, qu'ils viennent pour qu'on change notre pays. Je tends la main à tout le monde. On vous a parlé tout le temps. Quand je vous vois ici, si nombreux, oh mes chers amis, j'ai manqué un devoir, mais ça n'est pas tard. J'aurais dû commencer mon propos en vous présentant mes très sincères excuses. Je vous présente mes excuses pour mon arrivée tardive. Je suis arrivé en retard. Mais vous voilà à 20h qui m'attendiez encore. Merci. Merci, Bafoussam. Merci, Bafoussam. Merci, l'Ouest. Merci, l'Ouest. Merci, Bafoussam. Merci. Vous avez montré que je peux compter sur vous. Je suis né dans cette ville. Je suis né dans cette ville. Mais je dis toujours, partout où je vais, personne n'a choisi de naître là où il est né. Personne n'a choisi de naître là où il est né. C'est pourquoi je n'accepte pas que des petits politiciens, excusez-moi pour une fois, de tenir ce propos, que de petits politiciens opposent les Camerounais entre les Camerounais, contre les Camerounais, entre eux. Que l'on utilise le tribalisme pour diviser le Cameroun. Et croyez-moi, je suis debout, je me bats pour Atangana, je me bats pour Kambel Moussimo ou Tchofo, je me bats pour Umaru, je me bats pour Sana. Je me bats pour lui et tout le reste. Je me bats pour chaque citoyen camerounais. À côté d'eux, je serai là. Juste vous. Je me bats pour la ménagère de Kribi, qui est à côté de la mer, mais qui doit acheter son poisson chaque jour plus cher. Je me bats pour elle. Pour celle qui dans l'extrême nord que j'ai vue, qui a une seule récolte de mille. Et quand vient la saison sèche, c'est la tragédie de la famine dans notre propre pays, que Dieu a béni abondamment. Je me bats pour que cela ne se reproduise plus jamais. À partir du 7 octobre prochain, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Une page d'histoire qui met l'individu, le citoyen au Camerounais, au centre des préoccupations de l'action des pouvoirs publics. Je veux que le soleil se lève pour tous les Camerounais, que le soleil brille pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais et chaque Camerounais. Vous pouvez avoir confiance. Parce que je peux vous dire une chose. Vous m'avez montré que je peux vous faire confiance. Alors je peux vous dire, jamais je ne vous trahirai. Jamais je ne vous trahirai. Jamais je ne vous trahirai. Jamais. Jamais je ne trahirai le peuple camerounais. Mais je voudrais que ceux qui nous regardent comprennent ce soir, s'ils ne l'avaient pas encore compris, que le peuple camerounais est debout, que le peuple camerounais est prêt pour le changement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Est-ce que je peux compter sur vous? Okay. On va faire du tonnerre. On va faire du tonnerre.
On va faire une élection comme ils n'en ont jamais vu dans ce pays. On va faire une élection comme ils n'en ont jamais vu. Je vous demande de me donner une majorité comme ils n'ont jamais vu. Une large majorité. Une large majorité, tellement large que même la fraude ne peut pas la modifier. Je vous demande une large majorité, une écrasante majorité, que même la fraude ne peut pas changer. C'est le moment, et je vous ai dit, ils ont commis la faute dans la surface de réparation. Et le carton rouge est sorti. L'arbitre a déjà sifflé la faute. C'est le pénalty. Et vous savez sortez. C'est un pénalty dans les prolongations. Et c'est un pénalty, quand on marque ce but-là, c'est la mort subite, le match est terminé. On a gagné. Quand on marque le but dans les prolongations, le match est terminé. On va gagner, hein? Et on va gagner comment? Bulletin rouge dans l'urne. Il y a un seul bulletin que vous mettrez dans l'urne le 7 octobre prochain. C'est le bulletin rouge. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que je peux compter sur vous? Je veux voir vos bulletins. Montrez-moi vos bulletins. Est-ce que vous les avez? Alors, je vais vous dire, le 7 octobre prochain, nous allons aider un président de la République qui a travaillé pendant 36 ans et qui maintenant est fatigué. Nous allons l'aider à aller se reposer. Nous allons l'aider à aller se reposer. Nous sommes des Africains. Nous respectons nos grands-pères, non? On le respecte. Et je vais vous dire la bonne nouvelle. Que l'on ne vienne pas vous mentir à Bafoussa. Que l'on ne vienne pas vous mentir à l'Ouest. J'ai dit que comme vous avez décidé de me porter à la présidence de la République, le 7 octobre prochain, je vous promets que lorsque j'arrive au pouvoir, rien n'arrivera au président Paul Biya et à sa famille. Je le protégerai. Qu'il aille se reposer. Parce que les gens vont venir ici vous dire que s'il perd l'élection, on va l'envoyer à la cour pénale. On va le mettre en prison. Nous n'avons pas le temps pour ça. Qu'il aille se reposer, le Cameroun avance. Qui donne une chance à la jeunesse camerounaise. Je vous ai tout dit, non? Qu'on ne vienne pas vous raconter. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail de mon programme. Il est sur toutes les plateformes officielles. Vous pouvez trouver cela. C'est détaillé, c'est précis. Vous avez l'occasion unique. Vous avez l'occasion unique de faire un choix, mais un choix digne. Je vais vous dire, le 7 octobre prochain, ne votez pas pour moi seulement parce que je suis de l'Ouest. Votez pour moi parce que je vous présente le meilleur programme. Votez pour moi parce que je suis le meilleur candidat, j'ai le meilleur profil, la meilleure expérience nationale comme internationale. Alors, je ne peux pas vous raconter cette histoire. C'est pourquoi je vous dis, et je vous le répète ce soir,
Je ne suis pas seul. Il y en a qui vont arriver et se demander avec qui ils vont faire. Monsieur Penda et Coca, conseiller technique du président de la République qui a décidé de le quitter pour venir nous soutenir parce qu'il a compris que l'avenir est là. Est-ce que je serai seul? Non, président, non. Est-ce que je vais aller tâtonner? Non. Nous savons ce que nous allons faire. Nous allons faire dès le premier jour. On ne va pas arriver avant de commencer à dire on entre dans ce bureau là même pas comment. Non, on sait déjà comment on est. On va suivre. Ils sont là. Et ils ne sont même pas tous là. Ils sont là, nombreux chaque jour, qui nous rejoignent. Vous avez vu quelqu'un dont l'esprit frondeur, la contestation, la révolution est connue. Valsero est là. Il a choisi de me soutenir. Il a choisi de me soutenir. Ils sont là, nombreux. Je vais vous dire, ceux qui croient pouvoir récolter dans le champ du tribalisme vont avoir seulement leurs yeux pour pleurer. Est-ce que monsieur Penda et Coca est Bamileke? Hier, le grand cinéaste camerounais Jean-Pierre Bekolo. Jean-Pierre Bekolo nous a rejoint. Il est Bamileke? Non. Dites aux pleureuses là. Ils n'ont qu'à aller pleurer. Ils n'ont qu'à aller pleurer. Parce que nous allons sauf que gagner. On va sauf que gagner. Je vais vous dire, j'ai ici avec moi un invité surprise. Oui, il a vu que vous êtes en marche, que le peuple camerounais est debout. Monsieur Defoe, le président Defoe de Modekna nous a rejoint, lui aussi, et je vous le présente. Il est là. Il est là. Il est là. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ces personnes? Parce que on parle de coalition. Mais la coalition se fait de différentes manières. Il y a la coalition entre les états-majors des partis politiques. Mais il y a aussi la coalition avec le peuple. Bien sûr. Et moi, j'ai commencé depuis longtemps la coalition avec vous. Est-ce que c'est faux? Non. Donc ma coalition, c'est d'abord la coalition avec le peuple. La coalition avec les autres candidats va venir. Si Dieu nous bénit, ça va venir. Mais si ça ne vient pas, je compte sur la coalition avec le peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que la coalition avec le peuple marche? C'est la coalition la plus forte et la plus solide. Parce que c'est la coalition gagnante. Notre coalition est une coalition gagnante. J'ai dit que je vais être votre tireur de pénalty. Le 7 octobre prochain, je vais tirer ce pénalty-là. Je vais le tirer. Vous savez que quand on fait un match là, c'est pourquoi moi quand je tends la main à nos amis de la coalition, aux autres candidats que je respecte chacun d'eux individuellement, ils le savent. Je n'ai jamais tenu un mot déplacé à l'endroit d'un candidat, d'un parti de l'opposition ou d'un candidat de l'opposition. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai déjà insulté quelqu'un? Depuis 7 ans, il vomit sur moi, il pisse sur moi, je ne dis rien. Est-ce que j'ai déjà rendu? Non. C'est parce que je veux qu'ils viennent, qu'on baptise le Cameroun ensemble, parce que c'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Donc, on continue de rester en contact avec eux. Et je dis, ce soir, je profite de ce podium pour leur lancer à nouveau un appel. C'est le moment. C'est le moment. Nous sommes à la limite. Le peuple camerounais nous regarde. Regardons la dynamique de la scène politique camerounaise et voyons qui, aujourd'hui, je ne dis pas hier, je ne dis pas demain, mais aujourd'hui, peut porter le flambeau et porter le peuple camerounais à la victoire. Qui peut le faire? Qui peut le faire?
peut le faire. Merci. J'espère que nos autres compatriotes candidats le comprendront. Parce que je voudrais que l'on gouverne le pays ensemble. Nos bras sont ouverts. Ils joueront pleinement le rôle qui est le leur dans l'équipe de direction du pays que nous mettrons en place. Opposition qui seront les leurs et qu'ils méritent en fonction justement de la contribution qu'ils apporteront à la lutte et à la victoire, en fonction de leurs compétences. Donc, je voudrais que, en nous séparant ce soir, vous soyez rassurés d'une chose. Nous avons cherché la coalition plus que quiconque. Mais ceux qui font des manœuvres sur la scène politique vous font croire que c'est nous qui refusons la coalition. Ils disent que je suis arrogant. Est-ce que vous avez vu en moi quelqu'un d'arrogant? Ils disent que je suis vantard. Parce que peut-être je mange de façon nyanga. Mais est-ce que c'est ça être... Non. Je ne suis pas arrogant. Même quand je leur ai écrit et qu'ils ne m'ont pas répondu, j'ai oublié ça, je suis allé vers eux. Mais chacun de nous doit examiner cette question de la coalition et dire, est-ce qu'il n'est pas temps que je comprenne la direction que le peuple camerounais nous indique. En 1992, quand tout le monde a fait bloc derrière M. Frundi, c'était pour cette raison-là. Le peuple camerounais avait indiqué une dynamique, la direction. Et on a porté ce candidat-là. Aujourd'hui, je crois que jour après jour, vous indiquez la direction. Et j'espère que les gens ne vont pas lire la plaque de travers, qu'ils vont voir que la flèche indique bien que c'est vers ici qu'il faut prendre la coalition pour aller à la victoire. Bafoussam, Bafoussam, est-ce que je peux compter sur vous? Alors, non, je ne peux pas tirer parce que c'est la nuit. Ça peut faire du mal à quelqu'un. Je voulais juste vous montrer que je suis prêt. Je suis prêt. Prêt, je suis prêt pour tirer le pénalty. Parce que mon pied ne tremblera pas. Mais je suis aussi et surtout prêt pour assumer les fonctions de troisième président de la République du Cameroun. Alors, mes chers amis, je vous dis ceci, quand nous aurons gagné, parce que je veux que le palais de Toudi devienne le palais du peuple camerounais. Quand nous aurons gagné, je vais envoyer le message. J'enverrai le message à tous mes compatriotes. Toutes catégories, Bayam Salabenzitou, fonctionnaires, employés de bureau, personnes vivant avec handicap, tout le monde, j'enverrai un message à Bafoussam pour vous dire, mes chers amis, la renaissance s'est mise en mouvement. Alors venez, prenez les cars, prenez vos voitures, venez à bicyclette, venez à pied, mais retrouvez à moi à Yaoundé pour qu'on ouvre ensemble les portes du palais des Toudi et qu'on y ait pour changer notre pays. Voilà, parce que je compte sur vous. Je serai un président qui sera présent à vos côtés. Je ne prendrai pas mes vacances à l'étranger. Le Cameroun est plus trop beau. Je prendrai mes vacances au Cameroun. Vous pouvez compter sur moi. On travaillera nuit et jour jusqu'à ce que nous ayons pas le chômage des jeunes. Acclamez, 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 Monsieur Essama. Essama, le grand Essama, le grand combattant nationaliste. Patriote camerounais,
on fait chemin ensemble et on ira jusqu'à la gare. Merci Bafoussam. Merci mes chers amis. Merci. Merci la jeunesse. Merci. Merci à vous. Merci. Merci mille fois merci. Mille fois merci à vous. Capto, président, Capto. Capto. La liberté que le peuple camerounais voilà, voilà ça qui vient d'arriver. Oh. Avec Maurice Kamto. Nous vous aimons très fort, Bafoussam. Et ensemble, nous allons entrer à l'intérieur des décisions du Cameroun. Le meeting de Douala.
vous l'avez demandé, le professeur Maurice Kamto vous a écouté. Le meeting de Douala, on le refera encore. Ce sera le 6, ce sera le dernier meeting. Nous allons refaire un meeting à Douala pour faire plaisir à la population camerounaise. Et nous allons faire exploser le Cameroun. Ce sera le 6, le 6, un jour avant l'élection du 7. Ce sera un samedi et nous allons exploser la capitale économique. Nous allons exploser la capitale économique. Demain, nous serons à Tchang. Demain, nous irons à Tchang. Écoutez le direct. Encore, nous serons à Tchang. Le professeur Maurice Kamto est toujours accompagné par une horde de jeunes. Tout le monde veut le voir, tout le monde veut lui parler. On dirait quelqu'un qui a pris le champ de la révolution. Retrouvez le Cameroun. Retrouvez le nouveau Cameroun. Je vais être là-bas, la femme pour prendre la sortie de prendre le photo. International. C'est vraiment un monstre. C'est un vrai monstre de la politique. L'Ouest vient de dire oui au projet de la Renaissance. La coalition vient d'être signée avec le peuple de la région de l'Ouest. Ils sont venus de partout. Et le professeur Maurice Kamto leur a passé le message de la Renaissance. Je vais encore faire une petite immersion. Hein. Au milieu de ces jeunes qui sont venus par milliers et qui nous ont dit depuis ce matin, nous allons accompagner le professeur Kamto et nous n'allons pas faire comme avec les autres partis politiques. Nous ne lui prendrons pas un seul rond et nous allons lui porter à la présidente de la République du Cameroun. Yeah.
venus de partout dans la région de l'Ouest pour écouter le message de la révolution. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir Chico. Une vraie foule immense qui ne s'arrête pas. Une foule immense. Je peux vous avouer qu'il y a des jeunes qui ont coulé de larmes. C'est vraiment l'espoir qui les met. Ça n'arrête pas. Merci, hein, merci à tous qui êtes restés connectés sur cette page. On a eu quelques problèmes techniques aujourd'hui entre les différentes pages. On s'en excuse vraiment. La page du professeur a eu quelques petits soucis parce que certaines caméras. On n'arrivait pas à se connecter, donc vous avez été obligé d'avoir un seul plan pendant plusieurs minutes, on s'en excuse. Nous avons fait l'effort de revenir sur une autre page pour pouvoir vous donner ces moments historiques avec le professeur Maurice Kamto. Sans oublier qu'on nous crée beaucoup de difficultés sur notre ligne internet chaque fois que le professeur doit s'adresser au peuple camerounais. Donc on vous demande vraiment votre intelligence et merci vraiment d'avoir...